Non. Lors du départ. Salam, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Donc on est en départ de vacances. Et c'est l'anarchie derrière moi. Mais oui, mais tu vas mettre tes pieds dedans, tu vas mettre tes pieds au-dessus. Du coup, je vous emmène avec moi, je vais vous faire découvrir déjà la péripétie. Donc là, on est un petit peu en retard, entre guillemets. On part pas à l'heure où c'était prévu, comme d'habitude. Mais on va essayer d'y arriver, on va aller le plus vite possible. Je pense qu'on passera à Poulaillon prendre un petit déjeuner à emporter, on va dire. Comme ça, les enfants puissent manger dans la voiture et moi, prendre un petit café sur la route. Donc voilà, c'est parti. J'ai vraiment hâte. Je me suis réveillée en sursaut ce matin. Je pensais que j'étais en retard. Mais voilà, on est vraiment quand même un petit peu en retard. Bref, du coup, je sais même plus si j'ai tout ramené ou quoi. Mais en tout cas, le plus important, c'est que les papiers, on a tout. Vous avez pris vos chapeaux ? Oui, mon chapeau d'Assisi. Il est là. Et Oumia, il est où son chapeau ? Elle aussi là, elle fait tellement stressée là. Il est en haut dans ta chambre, non? Il est haut dans ta chambre. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Donc voilà, comme je vous ai dit, du coup on va partir. Et là on s'est arrêté à Poulaillon prendre un petit truc à manger. Parce que forcément on n'a pas eu le temps de prendre quelque chose. Et vu qu'on n'est pas parti à temps, ben, on peut même pas se poser manger un petit peu. Du coup on mangera sur la route. Et il n'y a plus qu'à mettre l'essence et c'est parti. Normalement, Nigo, on en a pour 2 heures de route. Donc oui, vous allez me dire, si tu vas faire 2 heures de route pour aller à un aéroport. Ben, je vous expliquerai tout ça quand je vous expliquerai le prix, tout ça du voyage. Parce que je pense que vous allez être nombreuses à me le demander. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, une petite face cam sur ça si ça vous intéresse. Donc voilà. Allez go, j'ai trop hâte parce que regardez le temps qu'il fait. Regardez le temps. Il fait grisaille, ça fait une semaine qu'il pleut. Ma première semaine où je suis en RT, en repos, et ben il pleut et voilà quoi, on aimerait bien arriver en vacances et profiter enfin du soleil, n'est-ce pas? Je sais pas. Mohamed, il est où? Mohamed, t'es où? Il est assis tout derrière. Je suis là. Coucou. Attends. Mia, elle veut se voir aussi. Ouais, c'est bon, t'as vu. Attends, je suis là. Ah, c'est bien. Regardez le soleil. Ça y est, c'est bon. Non, on m'a pas vu. Coucou. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. I'm not afraid to die.
l'aller fuir, on est arrivé à l'aéroport de Stuttgart. Et là, on a pris un parking à l'extérieur. Il est beaucoup moins cher que si on avait commandé un certain. Parce que bah, je vous montrerai les prix, mais voilà. Après, il y aura un marché, il n'y a pas de chariot, donc on se démerdera. Je pense qu'il faut aller jusqu'à là-bas. On va bien trouver. Hein. Faut bien se démerder dans la vie. Mon mari il est en train de chercher une place le plus proche de l'extérieur et après on verra par où passer. Mais regardez comme c'est grand. C'est Pegasus. Allez, on y va. Allez. Allez, c'est parti, va chez papa. Donne la main, papa. Il a pas encore touché. Là, il a touché. Attendez, on n'est pas encore arrivé. Après, tu sais pas avant. Ouais, j'allais trouver. Nous sommes bien arrivés à l'hôtel. On a pris notre repas le temps qu'ils préparent notre chambre. Et nous sommes arrivés dans notre chambre, donc qui est complètement différente de celle que j'avais pris la dernière fois. Parce qu'il faut savoir que je suis dans le même hôtel que j'étais allée une première fois en Égypte. Et franchement, c'est juste trop bien. Ça fait vraiment type appartement, hôtel appartement. Mais bien sûr, vous aurez le hall inclus avec. Et vous avez énormément de place. On a la chambre parentale. On a le salon qui fait chambre aussi pour les enfants. On a une grande salle de bain. Je pense que je vous ferai plus le room tour dans la journée que demain quand ça sera rangé. Mais en attendant, je vous montre rapidement, juste comme ça. Mais je vous montrerai plus en détail la prochaine. Donc voilà la chambre des enfants. Donc c'est le salon chambre. Mais c'est hyper grand, c'est immense. Et en face, vous avez une chambre parentale. Et puis vous avez la salle de bain, mais tout ça je vous montrerai la prochaine fois. Oh, la salle de bain, c'est trop bien, va bien. Il y a une douche et un bain. Oui, comme la dernière fois. Comme les désinfectants. Oui. Le shampoing. Oui, ils l'ont déjà fait la dernière fois.
trop bien. Mais je vous montrerai tout ça en détail. J'ai mis du shampoing, du savon, l'eau. C'est un désinfectant, hein, c'est pas un shampoing. C'est un antiseptique pour les mains. Ça, on a le sèche-cheveux, on a. Je vous montrerai. Du coup, je vous montrerai plus en détail demain, parce que la luminosité n'est pas au rendez-vous et voilà. Donc ça fait un peu vieillot, hein. Mais j'adore ce côté un peu en bois, etc. Et en plus, on a un grand dressing, on pourra ranger nos affaires, même si c'est pour qu'une semaine. Mais au moins, on les aura rangées, voilà. Sur ce, on va prendre une bonne douche et on va se reposer parce que la journée a été très très épuisante, très longue. Et je vous revois du coup demain dans une prochaine vidéo pour nous accompagner au long de ce séjour en Égypte.